bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un haul action. Alors oui, j'ai un bonnet et j'avais envie de mettre un bonnet. Donc voilà, j'ai fermé le volet, j'ai mis juste les éclairages et on voit mon ombre. C'est un peu gênant, mais bon, enfin bref. Donc on va commencer par action. J'ai 2-3 trucs à vous montrer hors action, mais bon voilà, c'est un petit peu déco, donc je vais vous le montrer maintenant. C'est ça que j'ai acheté à Jiffy. Il y en a 24, c'est 24 boules de Noël. De Noël, 24 boules de Noël. Et en fait, on dirait que c'est des flocons, en fait, c'est des boules de neige. Il y a des petites, mais vraiment minimes, paillettes dessus. Donc je voulais montrer de plus près. Et en fait, ces 24 m'ont coûté 3€. Comme je vais faire mon sapin beaucoup blanc et argenté, ben voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. J'arrive pas à parler déjà, ça commence bien. Donc voilà pour ça. Voilà. Et ensuite, pour idée cadeau, j'ai trouvé ça à Lidl. Par contre, vous pouvez en trouver aussi sur Amazon. J'en ai déjà acheté un, donc ça fait mon deuxième, mais bon, c'est pas grave. C'est pour offrir. Et en fait, c'est un rangement à montre. Et il a coûté 12€. Donc, il y en a des carrés et des longs, comme ceci. Donc, je vais vous montrer comment il se présente. Donc voilà, il est noir, il est comme ça. Franchement, il est bien fait quand même. C'est une bonne qualité. À part sur les côtés, ça pique un peu, mais enfin voilà quoi. Donc là, c'est du plastique dur. Là, vous l'ouvrez comme ça. Hop là, vous voyez, il y a un petit clip. Et vous avez les clés aussi. Fournies, elles sont déjà, elles sont là. Vous avez des petites clés ben, pour faire ma clé. Donc c'est ça, c'est marrant. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rangements ben, à montre. Et franchement, c'est super sympa comme cadeau. Voilà, vous avez la petite housse là pour vous mettre la montre. Et puis voilà. Donc ça, c'est super sympa comme cadeau de Noël. Si vous connaissez quelqu'un qui met beaucoup de monde, et ben ça c'est super sympa. Voilà pour ça. Donc c'est parti avec ce que j'ai acheté ben, à Action. Alors pour commencer, ceci j'avais acheté il y a peut-être un mois de ça. C'est une grande écharpe et j'avais oublié de vous la montrer. Elle m'a coûté 4,99€ si je me trompe pas. Et en fait elle est comme ça. J'ai pris gris, blanc et noir. Et elle est trop belle. Elle est longue, là je l'ai mis en deux, mais sinon elle est très longue. Et ça, pour l'hiver, franchement, ah, c'est le top. Moi, j'adore. C'est très gros et c'est chaud. Donc ça, c'est trop top. J'aime beaucoup. Et pour le prix, ben, franchement, une bonne qualité. J'ai rien à dire pour ça. Alors, on commence par ben, deux coffrets. C'est de pèse, enfin, comme des bêtes. Je sais pas si vous connaissez le dessin animé, mais il est super sympa. Et j'ai pris deux coffrets, ben, c'est exactement les mêmes, voilà, donc je vais en montrer qu'un, ce sera plus rapide. Si je ne me trompe pas, la chaîne elle s'appelle Lola, je suis pas sûre. Alors, voilà, je sais plus du tout. Et en fait vous avez un parfum et un gel douche, par contre je sais pas à quoi il sent, peppermint, non je sais pas à quoi il sent, parce qu'il n'y avait pas de testeur. Et en fait c'est pour faire un cadeau aux filles de ma meilleure amie. Donc je suis sûre qu'elle va voir cette vidéo. Donc voilà, mais elle sait déjà. Voilà pour ça. Et franchement, je trouve ça trop mignon. On continue avec le petit kit comme ça. Alors je vous en ai mis un dans le concours. Donc c'est un gel douche, une lotion pour le corps et une petite fleur de douche. Voilà, j'en ai un aussi pour moi. Et en fait, celui-là, je l'ai pris pour mon homme. Parce que j'ai trouvé ça super cool. Vu qu'on va aller en Espagne fin décembre, eh ben, ça j'ai trouvé super sympa, surtout la petite fleur de douche pour emporter. Ça c'est sympa. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis acheté une tasse serre, s'il vous plaît. Elle n'est pas trop belle. J'adore. Par contre, tout le chocolat qui est à l'intérieur, ça ne sert pas pour moi. Ça sera mon homme qui va le manger. Moi, je l'ai juste pris pour la tasse parce qu'elle était trop mignonne. C'était pas très cher, donc voilà, je la trouve trop chou. Je me suis acheté une guirlande à LED, c'est sans LED. Elle est multicolore,
Ah ok, je savais pas, j'ai cru que c'était juste des LED normales. C'est pas moi qui l'a choisi, c'est mon homme. Alors avec mon chat, elle fait combien? 300 cm. Ok, voilà. Donc ça, parce que j'ai fait mon sapin à moitié, parce que j'attendais d'avoir des décorations. Alors je vais décorer mon sapin et peut-être que je vous mettrai un close-up de mon sapin, qui sait, pourquoi pas. Donc pour Action, franchement c'est tip top pour les décos de Noël. Franchement c'est super bien. Voilà. J'ai oublié de dire, si vous entendez que ma voix est bizarre, c'est normal parce qu'en fait je suis malade. Voilà. Donc on poursuit avec deux petits cerfs. Alors c'est les mêmes, enfin sauf que il y en a un qui a la tête plus levée que l'autre. Et voilà, elles sont argentées. Et je les trouve trop mignonnes. Bon, j'en ai pris deux. Hein. Déjà, mon homme, il m'a fait encore des cerfs. Encore pour le sapin. Et oui, il aime beaucoup. Voilà. On poursuit avec des petits froufrous, enfin des petites décos pour faire les papiers cadeaux. Voilà. Donc ça, je trouve ça super mignon, bien sûr, dans les tons argentés et tout. J'aime beaucoup, comme on peut le voir. Donc ça va être bien pour les cadeaux, pour des futurs swaps, qui sait, voilà. En fouettage, j'ai pris trois guirlandes qui sont exactement pareilles, sauf que j'en ai pris trois, vu que je veux mon sapin, comme j'ai dit, blanc, argenté, donc voilà. Et en fait, c'est des guirlandes blanches, quoi, il n'y a pas plus simple. Hop, voilà, elles sont vraiment toutes simples. Elle fait 270 cm. Voilà pour ça. En fouettage, j'ai pris deux guirlandes comme ceci. Et en fait, c'est des guirlandes plumes. Elles font 150 cm. Donc, je vais les ouvrir pour vous montrer comment elles sont, parce que je les ai même pas vues. Mais bon, j'espère qu'elles sont belles. J'espère. Alors, elles sont comme ceci. Ouh. J'aime bien. Ça fait glamour. Bon, enfin, bref. Alors, comment dire que je l'ai ouvert? Il y a plein de plumasses partout. Voilà, mais sinon ça va être très beau sur le sapin. Oui, c'est pour ça que je l'ai acheté, logique. Alors voilà pour ça. On continue avec une guirlande, c'est la dernière que j'ai trouvée, donc je l'ai pris direct. C'est une guirlande qui est blanche argentée et il y a des petites étoiles dessus. Voilà, et toujours 270 cm. Et alors voilà. Je pense vous montrer en détail mieux les guirlandes et tout. Voilà pour ceci. Après, je me suis pris juste c'est un petit truc comme ça en bois. Parce que juste il y a un cerf dessus, je l'ai acheté. C'est toujours une petite décoration pour mettre sur le sapin. Bon, vous pouvez le mettre ailleurs. Moi, hein. Bon, il y a des choses que je mets ailleurs. Et en fait, il y a un petit cerf dessus. Il y a marqué Noël avec des sapins et c'est en bois avec une cordelette tout autour. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et comme il n'a pas coûté bien cher, pourquoi s'en priver? La dernière chose des décorations de Noël, c'est ceci. C'est un petit élan tout gris. Voilà, il est tout mignon. Il y avait plusieurs coloris, mais moi j'ai pris gris toujours pour la déco gris, argent, blanc. Voilà pour ceci. Et pour finir, j'ai pris deux masques de chez Montagne Jeunesse. Toujours, j'adore ces masques. C'est les peel-off, et les peel-off, j'adore. C'est un au citron et l'autre à la grenade. Ouais. On va dire c'est un fruit de la passion, je sais quoi. Donc l'autre c'est thé et citron. Voilà pour ceci. Donc voilà, c'est fini pour mon petit haul Action et les petites choses à côté. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis voilà. Toujours mon Instagram sera quelque part, je sais pas où, dans la vidéo. Et puis voilà, donc je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Putain, je sens que je vais avoir des trucs partout. Je vais faire le ménage après. Il y en a plein de plumes qui tombent. J'ai failli éternuer.
Comment on appelle ça? C'est pas un cerf, c'est un... Reine. Non. Putain, comment ça s'appelle cette merde déjà?